Yes, transférer le dinosaure. C'est vrai que quand ça fait transférer, ça part direct. Est-ce qu'il va pas s'engueuler avec l'autre? Non, c'est un herbivore. Tu me dirais, il va pas s'engueuler. C'est un herbivore ou pas? Je me souviens plus. Waouh. J'en ai des frissons. Comment ça se passe si un film de départ? Me dis pas qu'ils vont nous claquer le... Ils vont quand même pas claquer le trailer de Jurassic World dedans. La vieille griffe. Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez deviné la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World Evolution. 60 balles le jeu, j'ai quand même un peu mal, 60 euros pour un jeu de gestion. Donc on va le découvrir ensemble, je n'ai encore jamais lancé le jeu. Voilà, on le découvre totalement de A à Z ensemble. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est un jeu de gestion de parc, et c'est tiré de Jurassic World. Donc on va le découvrir ensemble. Vous savez que je suis passionnée par les dinosaures, notamment mon jeu de prédilection, c'est Ark, et voilà. Donc comment ne pas faire Jurassic World Evolution? Par contre, je voyais pas le jeu aussi cher. Alors je me répète, je sais, mais quand même, moi je pense toujours aux autres qui l'achètent, déjà acheté le jeu, hein, pour ceux qui se posent la question, quoi que ce soit. Et 60 euros, 54 euros pour être exact sur Steam, ça pique quand même. Donc à voir ce que ça propose. Ça se trouve, ça propose un truc de malade. On va regarder ça ensemble, hein. Mais c'est vrai que ça m'a quand même surpris, parce que je m'attendais, je sais pas, à 30 euros, mais je m'attendais pas à 54 euros pour le jeu, quoi. Et encore, j'ai attendu un petit peu avant de le... Alors là, je vois un contenu de luxe, je ne sais pas ce qu'il contient. Ce que je vois, il a l'air de contenir bulletin d'information. Il a l'air de contenir des dinosaures supplémentaires. On va voir. Si je prenais le contenu de luxe, c'est vrai que j'avais juste à rajouter, je crois, 4 euros de plus et j'avais le contenu de luxe. Donc bon. Nouvelle partie, allez, c'est parti, on va tester, on va voir ça ensemble. Bonjour et bienvenue, je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler Bonjour, de moi. Ou plutôt. Et bienvenue. Je fais même plus mon travail, donc j'en ai plein. Docteur Ian Malcolm. Plus besoin de s'emmerder. Vous avez peut-être entendu parler de moi. On fait tout pour moi. Plutôt, allez, c'est vous bon. Vous avez sûrement entendu parler de moi. Oui. Surtout dans maintenant les Jurassic World. Et les premiers Jurassic Park. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer. Bon, il est blasé, hein. Que vous devez les gérer. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Allez, c'est parti. Oui, bon. Je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. Construire un labo de la création Hammond. Okay. Nous avons déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Quoique... Ça fait de l'humour, on rigole. Alors, enclos gauche. J'imagine qu'il faut le placer là. Ah, pardon, placer cet élément dans la zone indiquée. Bam! Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt, la Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Ok, attendez que la construction soit achevée, d'accord. Ça fait penser à SimCity de façon, c'est du jeu de gestion. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Vous savez, alors par contre, il va falloir qu'on soit clair, vous savez que je suis une grosse merde dans les jeux de gestion. Moi, dans SimCity, la population, à la fin, elle avait plus d'eau, plus d'électricité. Donc j'ai intérêt à me concentrer. Donc construisez un labo de la création Hammond opérationnel. Construisez un labo de la création Hammond. Bâtiment alimenté, ok, bâtiment relié au réseau allié. Ah, c'est bon, si je me et suis relié. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. Oh, on va ça, commencer je veux voir. Par un Struthiomimus. En cliquez quoi sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Incuber un œuf de Struthiomimus, il le disait mieux que moi. Dans le labo de la création, Hammond sélectionne un bâtiment avec lequel interagir. Donc, incubation dinosaure... Oh, je vais aller voir. Oh, le strio. Waouh. Il y a le... Oh putain, attendez. Je suis sûr qu'à la fin, c'est le T-Rex. Eh, on me la fait pas, moi. Là, je sais ce que c'est. Hein. Oh, on me la fait pas, moi. Je suis pas con. Hein. Il y a juste ça, mon dino. Oh, mon ami. Je l'ai en pop. Il est juste là. Là où j'ai mon doigt. Je sais pas si vous voyez, il est là. Je l'ai, copain. Bon, alors, on va faire lui. Parce que moi, je voulais faire lui, mais ils veulent pas. Donc, à faites voir, on a le... Progression du genou. Ok.
On peut modifier le génome ou l'incuber. On va l'incuber. Oh, c'est trop stylé. On va l'incuber. Les vaniteux se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois. Sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. La dernière fois. On s'en incube ? Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. Donc ici, c'est tout ce qui est incubation ? Ah, il est prêt. Donc maintenant, on va le transférer du labo... Attends. Transfert le sein du labo de la création amène. Attendez que le labo de la création amène vous confirme la fin de l'incubation du... Ok. Là, c'est fini. On va le transférer. Ça y est. Oh, putain. Oh, on l'a créé. C'est nous qui l'avons fait. La voilà qui commence. Oh. Quel grand moment. Le résultat d'innombrables actions et réactions. Du libre. Essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Comment on bouge la caméra ? Moi, je veux bouger la caméra ! J'ai pas l'air de pouvoir bouger la caméra. Afficher les stats du dinosaure. Il a une bonne santé, nourriture on est bien, l'eau il est bien confortable. Population pour moi est assez faible, interaction pas. Bon. Eh, il est bien là! Bon, on va faire un retour. Oh, j'aime trop. La Fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Ok. Voilà, choisir un contrat. Donc on a le docteur Kajal du division science, division divertissement, division sécurité. On va faire le contrat de science, puis après... divertissement, j'aime pas trop ça. Alors. Ah, docteur Doua. Je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais à qui je parle, Cabot. Je suis le docteur Doua, responsable même plus en place, de la division science. On fait un let's play, même bon, plus la peine. Il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma c'est présence bon. Ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Construire tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Bon, on va accepter. Ça nous donne une belle récompense quand même. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Alors par contre, si je puis me permettre, construction, connexion, alimentation électrique, va falloir que je pète des trucs là. On est d'accord ou pas? Attendez, pivoter à droite. Ah, je vais me mettre comme ça. Hein. Et bim! Et une dernière chose. Votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Oh, ok. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Comment on pivote la caméra? Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention. Et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Et voilà. On dit que l'argent fait tourner le monde. Et bim. Mais c'est faux. Ce qui fait tourner le monde, ça, ce sont bien. Les contrats. Oh, il y a un monsieur. Les monsieur. Contraintes et Madame, les engagements. Pardon. Terminez Madame. Un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la division science et vous pourrez entreprendre des missions encore plus complexes et stimulantes. Ok. Wow, je suis chaud patate. Sans trop de contrôle. Wow, c'est parti. Ça sera dans le film, tu sais. Gestion, ok. Carte des expéditions. Wow. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un message. J'ai un message sur ma boîte mail, Michel. Une proposition qui devrait vous intéresser. Que diriez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure? 1 million. Si vous avez parlé au docteur Malcolm, vous savez combien c'est important à nos yeux. À mes yeux. Ah bah moi, je veux bien commencer la mission, mais ça rapporte quand même 1 million de dollars, Michel. 1 million?
Triceratops en plus, c'est parti, moi je le fais. Un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles. L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures, ce qui est absolument vital pour notre activité. Ok. On y va, hein. Ok, donc là, il faut sélectionner un site de fouille. Après, le centre des expéditions affiche une icône. Ok. Nice. Je savais que nous nous entendrions. Un esprit curieux, une détermination sans faille. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Bien. Au travail. Alors, Triceratops, là. Ensemble, nous pouvons créer des spécimens plus authentiques. Ils ont découvert un truc, là. Mais pour cela, il nous faut un génome complet. Et je crois que vous pouvez m'aider. Alors, ne me décevez pas. Oh merde, il pleut! Parfait. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Il est où notre dino, là? Il est où, le dino? Attendez. Putain, revenez. Il doit se peler les joncs, là. Il est où? Au final, votre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc, et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et le commerce. Oh, c'est trop bien. Simple, non? Mettre des forêts et tout. Mais c'est putain de grand, en fait. C'est putain de balèze. Donc, alors, établissez 50% et Triceratops. Donc là, la jauge, elle est en train d'augmenter, je pense. Utilisez le centre des expéditions et le centre de fossiles pour acquérir et exploiter de nouveaux fossiles. Merde. Labo, centre de fossiles. Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles ou d'ambre afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. D'accord. Passionnant, non? Le génome VIA vous permet de créer des dinosaures dans le labo. Ok, les expéditions rapportent parfois des découvertes qui peuvent être vendues pour engranger des fonds, pardon. Ok. Donc là, on va accéder aux fossiles. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? Du Struthiomimus. Ça, on l'avait. On peut le vendre, on en avait déjà. On le vend. Oh, ça, on n'a pas. Oh! Ça, on n'a pas non plus! Moi, je veux prélever. Attendez, ils nous ont demandé, lui, dans un premier temps. On prélève. Ah, mais on peut tous les prélever? Attendez. Oh non! Une plus grande variété d'espèces de dinosaures améliore la note de votre île et attirerait par conséquence plus de visiteurs. En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles, vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. Ah bah il est là! Mon pépère, j'ai cru que je t'avais perdu! Oh, il a faim! Il a faim! Il lui faut des trucs à manger. Oh, il a faim! Il a faim, putain! Faut pas jouer au con, il a faim! Aménagement. Est-ce que c'est au niveau de la bouffe? Pas du tout! Peut réagir plus en cas d'accident. Poste de garde. J'en ai rien à foutre. Il a faim. J'ai rien pour lui donner à manger, le pauvre. Parce que c'est bien beau, les labos de création. Centre des expéditions, il a... Expédition termine, centre de recherche. Rien à foutre. On va prélever l'ADN. On va déjà prélever ça. On va voir. En plus, il est en excellente qualité. On va voir déjà si ça, ça le monte à plus 2. Bah oui, ça sera bon, donc du coup. Moi, je cherche comment lui donner à manger au pauvre. Ah, mangeoire pour petit herbivore. Putain, j'ai. C'est quoi? C'est un herbi. J'ai. Je vais te donner à manger, mon pépère. Il est où? Putain, il doit avoir faim. Là. On va lui mettre là. Nous faisons de grands progrès. Je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire.
Et je dois vous remercier, car c'est en partie grâce à vous. Reste un Viens. À le faire éclore et à transférer le spécimen dans son enclos. Viens. Il ne veut pas manger. Nous verrons alors si nos efforts ont porté leurs fruits. Putain, mais... Il va me canner, hein. Il va me canner. Qu'est-ce qu'il a? Nourriture, il a faim, confort, prairie. Putain. Viens manger. Tout comme les mangeants trouvent de la nourriture, hein, t'avoir les aliments non consommés étant alors détruits, elles doivent être appuyées par des gardes. Okay. Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriées. Personnellement, je suis un gros mangeur de viande. Oui, mais notre pote, c'est pas un mangeur de viande. Le grand dinosaure... Les grands dinosaures mangent plus que les petits. Si trop de dinosaures utilisent la même mangeoire, certains risquent de souffrir d'inanition. Les dinosaures à 0% de nourriture ou d'eau sont en état Oh putain, c'est dur comme mot, hein. D'inanition ou de déshydratation. Et leur santé chute rapidement. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Non, mais c'est bon, là. Là, c'est bon. C'est en service. Tu peux manger. Il faut qu'ils viennent, hein. Viens manger. Petit. Oh putain. Ça y est. Oh, c'est beau. C'est beau. J'en chialerai. Regardez-moi ça. C'est... Regardez. On le nourrit. Et là, sa nourriture augmente. Sa nourriture augmente. C'est beau. J'ai envie de chialer. C'est beau. Yes. Il est bien. T'es bien, mon pépère, là, hein. La meuf, il lui faut pas grand-chose, tu sais. Moi, j'ai entendu un bruit bizarre, là. Oh, c'est peut-être moi qui pars de ouf en couille. Hein. Bon, on y retourne. Du coup, il est en train de se nourrir. C'était ce qu'on voulait. Donc là, on va retourner, du coup, au centre de fossiles. On va accéder aux fossiles. Donc là, on est à 50, je pense. Donc là, on va pas toucher ça pour le moment. Et merde. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, la leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Ok. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. On va accepter, mais quand même, hein. Ah, il veut le génome à 60 maintenant. On va prélever, hein. Oh, j'espère que ça va le monter au moins à 60, je serais dégoûtée. Au prix que ça m'a coûté. C'est par pitié. 4, 5, allez, un 6, 6, 6, 6, par pitié, fais-moi péter un 6. Yes. C'est bon, il va être à 60. C'est bon, il va être à 60. On va aller directement faire de l'incubation. Un tricératops, on va l'incuber. On va pas modifier son génome. On va l'incuber pour le moment pour voir ce que ça va donner. Putain, il est excellent ce jeu, sans déconner, j'aime trop. Yes, transférer le dinosaure. C'est vrai que quand ça fait transférer, ça part direct. Mais est-ce qu'il va pas s'engueuler avec l'autre? Non, c'est un herbivore. Tu me dirais, il va pas s'engueuler. C'est un herbivore ou pas? Je me souviens plus. Wouah. J'en ai des frissons. Nos nouveaux spécimens, je veux dire dinosaures, répondent à nos attentes. Mais nous voulons les voir s'épanouir. Et ce sera là votre prochaine mission. Alors construisons un poste de garde. Le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Okay. Ah, ça va. Ils sont potes, tout va bien. Je m'intéresse de près à votre travail. Non, non, j'ai été déçu de constater que le docteur Doua s'est adressé à vous pour ce projet. Mais je l'écoute pas, c'est un con. M'en faire part, c'est un con, lui. C'est un gros con. Je lui en toucherai deux mots plus tard. Non, 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 construisez un poste d'opération de contrôle. Alors, attendez, il voulait qu'on construise un quoi? Construisez un poste de garde. Alors. Poste de garde. Banco. Là, on est bien. Ensuite, on fait une petite allée, on le relie. Là. Là, on est nickel. Ensuite, créer un triceratops établi à 70%. Là, par contre, il m'emmerde. Là. Ah, mais attends, créer un triceratops établi à 70%. Incuber l'œuf et transférer le dinosaure. Il est à 64. Et si je fais genre modifier le génome juste pour regarder? Attention, je ne le modifie pas. Oh putain. Attendez. Genre on pourrait lui changer sa couleur. À
Ah ouais, on peut tout lui changer. C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte? Comment on peut tout modifier? Traitement médical, amélioration des bâtiments, bâtiments enclos, fais voir. Acier léger, électrifié, clôture électrique. L'électrisation permet de réduire les dégâts causés par des impacts tout en bénéficiant des avantages des clôtures. Ok. Ok, donc là on peut améliorer. J'ai pas envie de claquer toutes les thunes maintenant, quoi. Réparation optimisée gène de car... L'épuisage de gène améliorera les caractéristiques résistantes et défensives. Résistance et défense des propres... Ok. Ça, j'aime pas. Ok. Putain, ça coûte une blinde. On verra ça plus tard. Donc les recherches, on a compris. Ça, c'est du coup, c'est tout ce qui est électrique. Je suis Owen Grady, mais mes amis m'appellent Owen. Et je vais mettre des gardiens de la galaxie. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors, et plus précisément pour Blue. Blue. On a une relation unique tous les deux, comme Claire et moi, mais en moins compliqué. L'électricité est indispensable à toutes nos activités, il faut surtout pas l'ignorer. Sans elle, nous sommes dans le noir. Ok. Bah là on va bien, niveau électricité on est bien. Alors par contre j'aurais à me poser une question là. Genre admettons, je veux incuber lui, ça va être, je peux même pas le mettre dans l'enclos, il va leur défoncer la gueule. Parce que hein, c'est pas que je suis hyper... Enfin, voilà, c'est qu'au vu de la gueule qu'il a, on est d'accord que le truc il va défoncer tout le monde. Et il faut un génome complet à 50%. Waouh. Écoutez, pour le moment, ah, j'aimerais trop faire des missions et tout, mais... Bonjour. Ah, sécurité financière. Je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division Nicolas divertissement. Nicolas me regarde de travers depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est un meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir. Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Mais je sais, mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. C'est que laisse-moi... Je ne vais pas vous dire d'ignorer nos finances. Je suis idéaliste, pas inconscient. Mais tâchez de lever des fonds avec discernement, parce que l'usage qui en sera fait sera peut-être moins responsable. Voilà. Ouah, nouveau génome. Alors, il nous reste combien de temps, là? Non, merde. Là. 64%. On va regarder au niveau des constructions. Ça me donne envie de jouer pendant des heures et des heures au jeu, quoi. Vue gestion... Rien à foutre. Visiteur. J'ai pas envie de mettre des trucs tout de suite. Permettant de s'abriter en cas de tempête. Hôtel. Les hôtels augmentent les capacités d'accueil de l'île, permettant à plusieurs visiteurs de passer la nuit dans le parc. Oh, t'as vu le prix? C'est énorme! Boutique de souvenirs et un fast-food. Les gens adorent bouffer. J'en suis la preuve. Les gens adorent bouffer. Alors, par contre, ça, c'est putain de cher, mais je pense que ça te rapporte bien. On va le faire après, on va le faire après. Pour le moment, on s'occupe des dinos. Le dinosaure est prêt. C'est parti. On transfère. Let's go. Il est plus pâteau, lui. Il est plus... Oh, laissez-moi tranquille, merde. Ça sent pas l'histoire des bébés? Pourquoi ils nous ont fait faire ça, là? Oh là, hé! C'est bien, mange, t'as raison, pépère. La mangeoire, elle est bien? C'est bon, elle est bien, elle est bien. Élément de recherche du centre de recherche L'Ankylo. Dans l'élément de recherche. Centre de recherche. Centre de recherche, L'Ankylo. Accéder aux recherches. Là, c'est dans les traitements médicaux. Hein. Bénéfice par minute, 10 000 seulement. Certains de nos visiteurs veulent acheter plus de souvenirs, construisez-leur de nouvelles boutiques. Maladie contractée! Utilisez le raccourci du poste de garde, R, pour sélectionner rapidement une équipe de garde. Vite, R! Équipe de garde! Bon sang, vous avez un dinosaure malade sur les bras. Faites ce qu'il faut pour le soigner, ou vous en subirez les conséquences.
On va le conduire, rien à foutre. Mais non, c'est moi qui conduis pour de vrai. Attention, poussez-vous. J'ai les dinosaures à les sauver, moi. Est-ce que c'est bien là? Parce qu'on rigole, mais j'ai aucune idée, moi. C'est là. Putain. Je le sens mal, hein. On a... Oh là là, mais c'est... Envoyez l'équipe de garde soigner le Triceratops. Je suis en route, hein. Je peux pas faire plus vite, hein, Michel. Je pense que le portail est là. Le portail est ici. Bam! Petit coup de frein. Laissez-moi rentrer. On a un Triceratops à les sauver. Poussez-vous. Il est là, il est là. Super. Ok, le fusil. Vous devez administrer un médicament à cet animal si vous voulez le sauver. J'ai touché. Il me pète un câble. Ah, oh, j'aurais pu zoomer. J'ai pas du tout fait. Voilà, merci, parce que la radio, c'est pas qu'elle me faisait clairement chier, mais elle me faisait clairement chier. Putain, je vais pas m'enfoncer. Il va me charger, là, je le sens, hein. Oui, mais... Attendez, je pense que là, ça monte bien. Ah, merde, il lui en faut encore une. Vite, retour. Demi-tour, Michel. Ah, bah, on peut reculer, on a rien à foutre dans les fougères et tout. Oh, bah, il est là. Nickel. Que demande le peuple? R, la fléchette. Bim. Voilà, c'est bon, ça a marché. Il a dû tomber pas trop loin, je pense. C'est lui ? Ah bah si, c'est lui. La cible n'a pas besoin de traitement. Bah c'est bon alors. C'était juste de faire des piqûres comme ça. C'est bon en fait. C'était juste tu lui fais des petites piqûres et puis tout va mieux. Bah tant mieux. On va aller là-bas, on va en profiter. Ah bah on va réapprovisionner. Pendant qu'on y est. Voilà. Oh c'est super. Ce jeu est superbe, hein. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on vit pas bien, là? Allez, on s'en va. C'est pas du tout par là, je crois. C'est là. Ah non, dans l'autre sens, Michel. Allez-y, on freine. Bon bah c'est bon. On l'a sauvé. Tout est rentré dans l'ordre, mon capitaine. Je vais essayer de pas écraser les gens parce que je pense que ça peut me foutre la merde, ça. C'est pas du tout là que je dois rentrer. Ah, c'est bon, ok. Je peux passer le relais. C'est bon, mission terminée. C'est magnifique. 1 million! Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Voilà qui va révolutionner le domaine. Alors ça. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Oh, vous y avez joué un certain rôle, cela va sans dire. Sous ma tutelle, nous formons une équipe des plus efficaces. Je la sens mal, elle. Elle, je la sens mal. Commencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doua s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué? Il y a toujours des problèmes à résoudre.
Alors étudiez attentivement ce contrat. Utilisez le centre des expéditions pour exhumer un fossile de carnivore. Depuis le centre des expéditions, envoyez une équipe de fouilles à la recherche d'un fossile de carnivore. Évolution de la réputation, chance, divertissement, sécurité. Ok, on va accepter. Et on va s'arrêter là, les copains, du coup, pour cette vidéo sur Jurassic World Evolution. Franchement, le jeu est hyper cool. Mais pour le moment, je trouve quand même qu'il est cher. Pour ce que c'est, après, à voir comment ça va évoluer, ainsi de suite. Mais pour moi, je trouve quand même qu'il n'est pas donné comme jeu et qu'il est assez cher. Moi, je vous conseille d'attendre un petit peu quand même, qu'il baisse un peu sur des sites comme Instant Gaming ou quoi. J'ai vu qu'il n'était pas disponible de toute façon sur des sites comme Instant. J'ai hâte là de faire le carnivore pour le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner sur Twitter, et notamment aussi à YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça me fait toujours plaisir et c'est là où je donne, notamment pour Twitter, le maximum d'infos quand il n'y a pas de vidéo, quand il n'y a pas de live ou quoi que ce soit. Cap, moi, gros coup de cœur pour ce jeu, malgré le fait que je le trouve encore un petit peu cher. Mais gros coup de cœur pour le jeu, je pense que je vais faire une belle et grande aventure dessus. Du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !